Et salut à tous, très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui, on va analyser ensemble la remorque Schmitz de Z-Mods. Et comme d'habitude, après l'introduction. Et salut à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Comme d'habitude, je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse. Et aujourd'hui, on va analyser une remorque d'un modeur assez particulier, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de Z-Mods. Alors, Z-Mods est bien connu pour créer ces sons de haute qualité que je vous conseille très fortement, qui sont juste énormissimes ces sons. Et il a décidé de nous créer une remorque Schmitz et du coup de proposer également des mods. Des modes physiques, c'est-à-dire voilà, des remorques. Là aujourd'hui il a sorti une remorque, enfin aujourd'hui, ça fait un petit moment qu'il l'a sorti, mais voilà, je tenais quand même à vous la présenter cette remorque et puis l'analyser de voir si effectivement il est aussi doué en son que en modding. Mais voilà, on va en parler tout au long de cette analyse et puis voilà, allez, on débute tout ça tout de suite. Donc pour cela, comme d'habitude, vendeur de remorque, et puis on va aller sur Z-Mods, voilà, et on a la SKI 18, la Schmitz Cargo Bull, voilà, qui est ici. Donc, bah écoutez, ça reste ni plus ni moins une Schmitz Cargo Bull, hein, qu'on peut retrouver, donc, comme celle de Shumi, voilà, Shumi qui a fait un pack où on peut retrouver une Schmitz à l'intérieur, également exactement la même. Et puis il y en a une autre aussi, je sais plus c'est qui, c'est MD Modding, je crois, qui avait fait une remorque Schmitz également. Voilà, Z-Mods aujourd'hui s'est dit, bon bah tiens, je vais créer une remorque, et puis on va voir ce que ça donne, si ça marche bien, etc. etc. Bon, de premier aspect, de visu, elle est plutôt jolie, elle est pas mal. Le châssis est plutôt bien fait, c'est plutôt sympathique, avec tous les trous, etc. pour les accessoires et tout, c'est bien foutu. Mais je doute à 80, on va dire 70%, 75% que ce soit lui qui est totalement modé la remorque. Je ne suis pas convaincu. Je pense que la Schmitz est déjà un mode qui a déjà une 3D déjà faite, qui doit s'acheter, comme le font la plupart des modeurs, hein. Il y a beaucoup de modeurs qui font ça, qui achètent des 3D pour ensuite les finaliser sur Blender. Pour les transformer en au format SCS, de façon à les pouvoir les adapter directement sur ETS2 ou ATS. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Je pense qu'il a dû acheter une 3D et puis il la rentabilise en fait en fonction de l'achat. Voilà. Donc, on va analyser tout ça. Voilà. Donc cette remorque, bah écoutez, donc d'aspect, elle est plutôt jolie, voilà, c'est plutôt réussi, hein, faut dire ce qui est. Au niveau des feux, par contre, c'est pas tip top, voilà, on voit que c'est quelque chose qui a été collé dessus, hein, que c'est juste une image qui a été collée dessus. C'est pas non plus un truc de fou, mais ça reste relativement propre. Au niveau de la barre anti-encastrement, bon, ça va encore. Mais voilà, le châssis pour moi est plutôt sympathique, et puis la benne également. Et puis on a ici le vérin également, et bon, ça va, c'est plutôt sympa. Voilà. Alors, on n'a pas de roue, malheureusement, avec cette remorque. Ça, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il aurait dû adapter quand même des petites roues, histoire de l'embellir un peu plus. Mais c'est vrai que, bon, là, on a les roues SCS, mais toujours est-il que vous pouvez rajouter des roues modées, comme celle de la Basse Trépasse, par exemple. Voilà. Allez, donc, du coup, on a donc juste un train routier classique, en simple. Et ici, on a plusieurs carrosseries, on a plusieurs trucs. Donc là, on a, à mon avis, ça doit être ça, hein. Je pense que ça doit être les bandes réfléchissantes. Voilà. On a plusieurs types de bandes réfléchissantes. On a la orange, on a la blanche et on a la jaune. Voilà, on va la laisser en blanche. En orange, tiens, allez. Ensuite, en termes de châssis, donc là, on va retrouver trois types de châssis. Donc, deux essieux, trois essieux et trois essieux roll-up. Voilà, tout simplement. Voilà, je pense que ce qu'il aurait dû faire, c'est laisser en 3 essieux et puis le mettre en mode relevable ou juste le mode relevable, puisque forcément on peut le baisser cet essieu là. Donc au final, celui-ci ne sert absolument à rien en fait. Bon, voilà. Ensuite, donc on a les peintures. Donc les peintures, malheureusement, on peut pas la skinner cette remorque. On ne peut pas la skinner puisque le mode est fermé. Et ça, c'est un petit peu dommage. Alors je sais pas si les templates de celles de Shumi vont sur celle-ci, je ne sais pas du tout, faudrait tester. Ça, c'est un petit peu dommage qu'ils ne nous proposent pas de pouvoir la skinner. Ça, pour moi, c'est un point négatif, et c'est vraiment dommage. On va la laisser comme ça en rouge. Ensuite, en termes de personnalisation, bah écoutez, c'est relativement pauvre, voilà, faut dire ce qui est, c'est un petit peu dommage. Ici, on peut mettre des feux additionnels.
Très bien. Ici, on peut rajouter une petite loupiote. Voilà, si on veut. Ici, très bien, on peut mettre une petite loupiote. Donc les roues, on peut les modifier, hein. Vous mettez celles que vous voulez. Ici, on a un slot. Alors, ça nous rajoute donc des marqueurs ici, voilà. On a deux marqueurs. Ici, on a un autre slot ici. On a donc les bavettes. Bavette logo. Bavette flap logo, mais le problème, c'est qu'on n'a pas du tout de logo. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, il y aura sûrement une mise à jour, hein, je pense, hein, de la remorque. Là, c'est vraiment la première version. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas ouf. Hein, voilà, je préfère vous le dire directement. C'est pas ouf du tout, mais alors pas du tout. Voilà. Ici, on a donc les bandes réfléchissantes avec attention, machin, etc. Classique. Ici, on peut changer les feux. Donc, Europoint 1, Europoint 2, voilà. Ou EasyCorn, voilà, classique. Voilà. Après, pareil, hein, l'aspect des feux, hein, c'est une image qui a été collée dessus, hein, ni plus ni moins. Ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà. Hop. Ici, donc, on peut mettre une bavette. Et là, encore, ce qui est fort dommage, c'est que là, on le voit, le Schmitz Cargo Bull, ici, là, on le voit qu'il est écrit, mais il apparaît pas en blanc. Donc ça, c'est quand même bizarre. Et là, c'est pareil, hein, on le voit, mais il apparaît pas en blanc. Donc c'est quand même bizarre. Voilà, c'est dommage. Et là, long véhicule, etc. Voilà, hop. Ici, donc, on a la barre anti-encastrement. On a deux solutions, soit celle-ci ou soit celle-ci avec les... alors... Si, je vais y arriver avec les slots. Bon, là, on peut rajouter des petites loupiottes si on veut. Bon, là, je les ai pas. Normalement, c'est du rouge à l'arrière, mais je les ai pas. Voilà. Et puis, eh ben, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je crois que c'est tout. Hein. Donc, je vous dis qu'elle est. C'est une remorque qui est vraiment très très pauvre en personnalisation. Et voilà, franchement, c'est pas ouf. Quoi. C'est pas ouf du tout. Voilà. Donc, niveau lumière, tout ça, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Hein. J'ai pas besoin de vous la tester. Directement en jeu, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Et puis bon, j'ai pas envie de faire une grosse analyse sur quelque chose qui n'en vaut pas vraiment la peine. Voilà, donc on va regarder un peu les erreurs qu'il y a. On va jeter un petit coup d'œil. Alors, on a déjà des erreurs ici, donc ça, c'est des lignes qui ont été oubliées. Alors, ce qui signifie bien qu'effectivement, donc, donc ça, voilà, c'est ça, de toute façon, donc ça valide bien ce que je disais tout à l'heure. Les lignes que vous voyez là, ignoring obsolete attribute minicog max mass of unit trailer def machin etc. Ça c'est les anciennes lignes qu'on pouvait retrouver sur les anciennes remorques, voilà, donc des versions antérieures. C'était lignes de comment dire, c'est des valeurs en fait qu'on pouvait retrouver et qu'on ne trouve plus aujourd'hui sur les remorques modées. Donc c'est des trucs qui ont été oubliés d'être enlevés. Donc c'est juste des lignes, c'est pas méchant dans les fichiers def, mais ce qui prouve bien qu'effectivement c'est pas une remorque qui date d'hier. Donc voilà, ça prouve bien. Ensuite ici on a plusieurs erreurs, voilà, unit, des fichiers unit, voilà, qui ont des, il y a pas mal de petits soucis là-dessus, voilà, il y a pas mal d'erreurs, voilà, on a ici pareil. On a pas mal de petites erreurs qui sont là, voilà, les fichiers Tobige également, enfin il y a pas mal de petites choses. Et là on se retrouve encore avec des redundant rear wheel accessory removed. Bon, il y a pas mal d'erreurs. Et ça c'est un petit peu dommage, donc ça casse vraiment, vraiment, vraiment tout. Donc voilà, donc je vous rappelle que cette remorque elle est payante, elle est au prix de 8€, je crois, si je dis pas de bêtises, 8,99€. Donc sur le site de Zimoges, je vous mettrai le lien en description. Donc voilà. Donc moi pour l'instant, moi mon avis perso, je vous referai une vidéo lorsqu'il y aura des mises à jour, mais pour l'instant, pour moi ça ne vaut absolument pas le coup. Donc voilà, surtout pour 8€. D'autant plus que il y a celle de Shumi qui est mieux personnalisée et sans erreur d'ailleurs. Vous pouvez la retrouver sur Google en tapant Schmitz Tipper Shumi. Et vous allez la trouver. Et pour moi, celle de Shumi est bien mieux que celle-ci, et d'autant plus que celle de Shumi est totalement gratuite. Voilà. Ou sinon, vous avez celle de MD Modding également, qui est aussi bien complète et gratuite. Voilà. Donc, ce que je voulais faire, c'est que je voulais aller regarder les cargaisons. Voilà. Peut-être qu'on va être surpris au niveau des cargaisons. On va voir. Alors, donc, ici, eh ben, écoutez, on va aller voir ce qu'il y a. Donc, ici, on a du gravin. On a du métal, okay, et on a du sable. Voilà. C'est tout ce qu'il y a.
Voilà. Du sable, du métal et du gravat. Voilà, c'est pas non plus ouf. Donc c'est bien ce que je dis. Je pense que c'est une remorque qui a été reprise, hein, clairement. Une 3D qui a été reprise et puis qui a été sortie via un logiciel 3D comme Blender. Et puis voilà, c'est tout, je pense. Mais là, clairement, pour 8€, ça ne vaut pas le coup. Donc attendez les mises à jour. Peut-être que avec des mises à jour, il y aura des nouveautés. Peut-être qu'il y aura des choses ajoutées. Mais pour l'instant, avec toutes les erreurs qu'il y a, non, vaut mieux partir sur celle de Xiaomi. Voilà. Donc je préfère être clair. J'ai pas envie de mettre en porte-à-faux le modeur. Donc voilà, c'est un très très bon modeur. Il fait des sons, c'est vraiment géniaux. Il fait des sons superbes. Je vous conseille vraiment d'acheter ces sons, mais par contre je pense qu'il devrait rester plutôt dans les sons plutôt que dans la 3D. Je pense que c'est plus son domaine, tout ce qui est son, mais la 3D, je pense qu'il devrait il devrait pas faire plus. Voilà. Alors peut-être qu'en espérant qu'on ait des mises à jour, comme je vous ai dit, sur cette remorque, mais on verra par la suite. S'il y a des mises à jour, je vous ferai une vidéo pour voir les nouveautés et voir si tout a été corrigé. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que cette petite analyse vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifications. Le petit pouce bleu qui fait plaisir, comme d'habitude. Un grand merci à vous d'être toujours aussi fidèle et puis de vous abonner de plus en plus. Un grand merci à vous. Et puis moi sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde.